Voilà, je vais vous révéler un secret. Ce qu'on nous cache à l'intérieur d'un Motorola X-Steel. Bon, c'est sur ce modèle-là que je l'ai découvert. Alors, en Europe, il est vendu en single SIM. Ça veut dire qu'il n'est pas en double puce. Mais je vais vous apprendre et vous montrer comment le transformer en dual SIM. Tout d'abord, vous retirez le cache. Une fois le cache retiré, vous remarquerez que c'est marqué SIM 1 et que juste à côté il y a un petit cache qui recouvre. Je me posais la question car c'est la taille d'une autre nano SIM. À l'arrière, c'est la carte SD, tout simplement. Donc j'ai voulu prendre le risque de prendre un petit couteau. Voilà, de prendre un petit couteau et avec ce petit couteau de faire sauter le petit cache. Donc il faut le faire délicatement, tout doucement, petit à petit. Et là, surprise, surprise, une fois que ce petit cache a été retiré, SIM 2. Donc ce téléphone qui est vendu en Europe en carte SIM unique, en réalité, si vous faites sauter le petit cache, ben vous allez avoir un dual SIM. Donc voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. J'espère qu'elle va vous servir. Et n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié mon astuce pour transformer votre téléphone en dual SIM, sachant que vous bénéficiez également de la carte SD à l'arrière. Donc vous avez deux cartes SIM et une carte SD. Voilà, au plaisir.